C'est déjà la fin de cette saison du championnat du monde de Formule 1. En 2010, nous avions 4 pilotes en lice pour le titre au départ de la course et c'est Sébastien Vettel qui en était sorti vainqueur pour devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire. Quelle sera l'issue du championnat aujourd'hui ? Il est l'heure du départ à Abu Dhabi. Le circuit de Yas Marina compte 21 virages, 9 à droite et 12 à gauche, répartis sur une longueur totale de 5,5 km. Les pilotes auront des possibilités de dépassement sur deux longues lignes droites à l'amorce des chicanes. Attendez-vous à des vitesses moyennes de l'ordre de 200 km/h. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. On a encore une chance de remporter le championnat. Rapporte-nous le titre. DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS.
Drapeau vert. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? D'accord, confirmé. L'écart avec la voiture qui te précède est de 1,7 secondes.
C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Compris, tu rentres dans ce tour. Fonce, fonce, tu reprends la course à la sortie. Fonce, fonce. Esteban est à l'entrée des stands. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout.
creuse l'écart d'environ une seconde par tour avec la voiture de derrière. Joli. À le voir, on croirait presque que c'est facile. Il nous reste 5 tours de carburant.
Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Voici l'écart avec notre coéquipier. 38,5 secondes. Superbe course, tu décroches le titre de championnat du monde des pilotes. Quel résultat, c'est formidable! Voilà une nouvelle saison de Formule 1 qui touche à sa fin et nous avons un nouveau champion. Un nouveau nom qui fait son entrée dans la liste prestigieuse des pilotes les plus incroyables de ce sport. Cette saison aura été serrée jusqu'au bout et il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Toutes nos félicitations au grand gagnant pour sa prestation. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui? À mon avis, les qualités techniques des pilotes ont fait toute la différence. Combien y a-t-il eu de dépassements en tout? Nous devrions avoir cette information quelque part. Quoi qu'il en soit, on a assisté à un très beau spectacle. Même si ce sport a une dimension stratégique, il est toujours plaisant d'assister à des duels sur la piste. En tout cas, le public en raffole. Alors que les trois pilotes du jour s'avancent vers le podium, Alpine a su montrer une fois de plus ce qu'il faut faire pour bâtir une bonne équipe de Formule 1. Une victoire bien méritée pour eux.
Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour? Pour moi, c'est Pelletier. Ils ont livré un combat titanesque et le rythme était parfois incroyable. Ils étaient au-dessus du lot aujourd'hui. Rien ne peut remettre en question le classement des constructeurs à ce stade, mais... Et c'est encore une nette victoire de Mercedes qui réussit à s'emparer du titre des constructeurs. Une performance incroyable pour toute l'équipe. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Lisez votre contrat. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez faire. Il est possible de rester dans la même écurie, mais c'est aussi l'occasion d'aller voir ailleurs. Super, ils ont accepté de négocier avec nous.